Si est-il véritablement deux camps qui sont en train de se constituer autour de cette bataille pour l'héritage de Johnny Hallyday, mort le 5 décembre des suites d'un cancer des poumons. D'un côté, Laura Smet et David Hallyday, les deux plus grands enfants du rocker, ont décidé de contester le testament de leur père après avoir découvert qu'il avait décidé de léguer l'intégralité de son héritage à sa dernière femme, Laetitia Hallyday. De l'autre côté donc, Laetitia peut compter sur le soutien de sa grand-mère, Mamie Rock, gérante depuis plusieurs années du business Hallyday. Dans Le Parisien, ce mercredi 14 février, si est un tout nouveau personnage qui fait son apparition, André Boudou, père de Laetitia. Dans un papier consacré à David Hallyday, le journaliste Eric Bureau revient sur la mise à l'écart du fils que Johnny a eu avec Sylvie Vartan. La veille de la mort de son père, David n'a pas pu le voir, témoigne dans Le Parisien un ami qui poursuit en racontant une scène qui se serait passée lors de l'enterrement de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy le 11 décembre dernier. Le jour de l'enterrement, plusieurs témoins ont entendu André Boudou, le père de Laetitia, qui avait été écarté il y a 3 ans, menacer David sur la succession. Mais de là à ce qu'il en soit écarté, il est tombé des nues.